Voilà, une vidéo donc totale mineure. Je ne suis pas encore à 1430 mètres. Enfin, 1430 quoi. Cela dit, j'ai été chercher mon prochain parchemin quoi. J'ai pris un parchemin. Et puis après, j'ai trouvé un autre parchemin où, là, où il y a une espèce de proverbe là. Plus un autre parchemin, je crois. Et quelle a été ma surprise en fait? Je suis tombé sur un coffre. Et je me suis dit, un coffre avec une torche au-dessus. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas moi qui. Il me semble pas que ce soit moi qui ai fait ça. Je suis allé sur le coffre, et en fait, sur le coffre, j'avais l'équivalent en argent de ce que j'avais. Donc je suis tombé sur. J'avais 5009 avec moi. Une erreur, hein, de se déplacer avec de l'argent, autant d'argent. Et ben en fait, j'ai eu 5009, pareil. Donc maintenant, normalement, voilà, ouais. Ici on le voit pas, mais là j'ai eu. Ah ben non, c'était pas l'équivalent, non, j'ai eu 5663 en pièces d'or. Voilà. Et moi j'avais déjà 5300, donc ça me fait un petit pécule de 11 024. Et c'est pas mal parce que je peux m'acheter un téléporteur éventuellement. Et puis voilà, j'ai découvert une nouvelle grotte. Donc ça c'est bien. J'ai ramené de l'or, je tombais sur pas mal d'or. Voilà, donc j'ai trouvé deux parchemins. Iron Shield, je sais pas ce que, là, je sais pas si on verra, non. Et ça nous explique comment, hop. Ah non, c'est pas ici que je le veux. Tac. Je veux juste faire un craft comme ça. Voilà. Il est pas, mince. Mon truc, il est caché. Je vais le mettre là-dedans vite fait. Voilà. Donc c'est Iron Shield. Je vais le mettre ici. Et l'autre c'est Steel Spear. Je sais pas ce que c'est. Je les mets là parce qu'en fait je vais voir. Toc. Est-ce que je peux avoir le craft là? Voilà, c'est ici. Je vais l'avoir. Voilà. Alors Iron Shield et Steel Spear. Voilà, alors j'ai eu Iron Spear, donc c'est pour faire user deux sticks et un Iron Bar to craft an Iron Spear. Ouais, c'est un genre d'une massue, un truc comme ça. Et moi, c'est une massue, et l'autre, c'est tout. Bon, je sais même pas où il est. Bon, c'est pas très important, mais bon, voilà quoi. En tout cas, je suis très content d'avoir trouvé un coffre rempli d'argent à l'intérieur. Ça, c'est cool. Voilà, je suis descendu avec bon, pas mal de petits trucs. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué, donc du coup, voilà. En fait, j'ai utilisé mon échelle, donc qui est, ouais, enfin qui est mon truc là que j'avais fait dans les vidéos précédentes où on descendait à jusqu'à 800 et quelques. Et en fait, je descendais, je regardais à côté ce que j'avais, puis j'ai trouvé de l'or, et puis j'ai fait une petite plateforme, j'ai commencé à prendre l'or, et puis j'ai trouvé autre chose, et puis après, de fil en aiguille, je suis tombé sur une caverne, et la caverne m'a mené au coffre avec des pièces, et alors j'ai trouvé des araignées, pas où elles sont d'habitude, et par contre, j'ai trouvé un autre truc, c'est un œuf d'araignée certainement, j'ai commencé à casser l'œuf d'araignée, c'est là qu'elles ont crié, elles sont arrivées en fait. Et j'ai pas réussi à prendre l'œuf d'araignée. Donc tant pis. Et de là après, j'ai fait un combat contre les araignées parce qu'en fait elles commençaient à arriver un peu plus nombreuses à chaque fois. Et ensuite j'étais un autre. J'ai aussi combattu. Il y en avait un peu plus haut, j'avais pas de chance. Finalement je me suis perdu. Et j'ai retrouvé mon chemin, mais j'ai galéré pour trouver mon chemin. J'ai retrouvé comme ça, à un moment donné. Je suis tombé dessus et j'ai putain, c'est là, c'est le top. Et de là, j'ai regagné donc par un petit couloir horizontal. J'ai regagné ma colonne verticale avec des échelles et là, je suis remonté et maintenant je suis ici. Donc voilà. Et je vais certainement acheter un téléporteur. Donc bah, je vais l'acheter devant vous. Donc on va y aller. Voilà. On va faire un maximum de frais. C'est très pratique les téléporteurs. Je vais en acheter un pour aller au boulot, ça va être bien. Ou pour pas y aller d'ailleurs. Alors,
Hop, hop. Voilà. Donc ça vaut 10 000. Donc j'en aurais bien besoin des 10 000. Alors je l'achète. Clac. Voilà, j'ai acheté. Donc maintenant, je vais certainement. On a le temps de la vidéo là? Ouais, 5 minutes, on a le temps. Je vais redescendre là où j'étais. Donc vous allez voir où j'étais. Est-ce que je descends par. Ouais, je vais descendre par le téléporteur. On va pas s'embêter la vie. Je vais peut-être laisser des trucs avant de partir. Alors attends. De l'or, je vais laisser ici. Les sous aussi. Parchemin aussi, j'en fais rien. Ça c'est bon, je prends, je prends, je prends. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok, ça aussi je jette là. Tiens, j'ai deux. Pas mal. Voilà pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Tiens, une porte. Je vais récupérer une porte aussi. Allez, c'est parti. Toc, et on se casse. Hop, hop, hop. Je veux faire une télé avec un meuble, mais j'ai pas fini. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va tomber sur un de mes deux téléporteurs. Alors là, celui-là, c'est celui-là du milieu, en fait. C'est le téléporteur du milieu. C'est pas le plus bas. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais descendre là, parce que c'est par là qu'on va aller, en fait. On va pas aller plus bas que ce que là où je suis, mais attends, où est-ce que comme ça. Voilà, ici j'ai plein de trucs, j'ai un coffre où c'est plein de trucs. Donc déjà, je vais prévoir si on doit creuser. Je vais prévoir un truc en plus. Voilà. Il faut pas stresser avec les pics en pierre là, parce qu'en fait ça dure longtemps, donc c'est cool. Alors. Ouais, il faut que je descende là. C'est moi ça, je me suis fait, c'est archaïque, mais je me suis fait ça juste pour descendre ici en fait. Il devrait déjà y avoir des araignées. Pas loin. Voilà. Hop, hop, hop. C'est là, non? Ouais, c'est là. Oula. Ils sont déjà là, les petites. Je vais me prendre une épée quand même. On sait jamais. Allez. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas le coop. On pourrait faire ça en coop, quoi, parce que ça serait vachement bien. Je pourrais mettre le téléporteur là-bas, mais bon. Là, si je meurs, par contre, mes affaires restent. Ah ben voilà, c'est là. Mes affaires restent 10 minutes. On a 10 minutes pour revenir, pour les reprendre. Parce qu'au-delà de ça, l'inventaire disparaît. C'est les boules à 10 000, putain. Voilà, et ça c'était, je crois, ce que j'ai fait un peu. C'est un peu archaïque, mais. Voilà. Je crois pas que ça soit le premier, la première échelle. Ça, c'est une des échelles que j'ai fait dans les premiers temps, je crois. C'est pas. Voilà, et je crois que. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ici. Voilà, c'est ici. Et là, en fait, donc si je descends un peu plus bas, ben, c'est là que j'ai trouvé le. Là, mon parchemin était par là, le bleu. Et après, je suis descendu et là, il y a les œufs d'araignée, en fait. Voilà, maintenant, je peux m'aventurer un peu où je veux parce que de toute façon, j'ai un téléporteur, donc il suffit de le protéger, le téléporteur. Voilà, voyez le coffre? Il est là. Voilà, ce coffre-là, c'est pas moi qui l'ai mis. Et quand j'ai ouvert, j'avais des sous dedans. Voilà. Et l'œuf d'araignée, il est là. Voilà. Si je le touche, elles arrivent. Apparemment, elles sont là déjà. Mais j'arrive pas à le fracasser. Donc je ne sais pas si je mets un ici ou pas. Ça m'a l'air intéressant ici néanmoins. J'en mettrais bien un téléporteur ici. Je vais essayer peut-être de mieux le placer. Ouais, c'est intéressant, il y a plein de trucs ici. Je vais le mettre là, le téléporteur. Je vais me faire un super. Combien j'ai du. Putain, j'ai rien. Il faut que je me fasse un truc. Attends, je vais crafter là. Je vais me prendre des. Voilà, des matières un peu solides. Je vais faire un truc sympa parce que j'aimerais pas que mon téléporteur soit.
Enfin, que je puisse pas apparaître, en fait. Parce que j'ai l'impression que si on apparaît dans le téléporteur et qu'il y a des pierres, on meurt. Puis ça a bugué, je pense. Donc il vaut mieux que j'ai un bon truc. Voilà, là, je mets ça là. Déjà que j'ai pas de surprise quand j'arrive. Je vais laisser une petite fenêtre. Voilà, ça c'est pas mal. Et là, ici, je vais fermer là. Ah mince. Bah tiens, on peut creuser là, on s'en fout. Donc ça me fera 4 téléporteurs en fait de placer. On en est à 10 minutes, c'est bon, c'est parfait. Tac, tac. Je vais de l'autre côté là. Je vais fermer ici. Ouais, c'est bon. Off. Voilà. Je vais faire ça. Ici, je vais mettre 2. Parce qu'après, il faut la retrouver, hein. Si vous sortez de là, même si vous avez un téléporteur, vous sortez d'ici, vous allez autre part et tout. Moi, j'ai eu 4 séismes. Et en fait, je reconnais déjà, en plus, on reconnaît plus l'endroit. Donc, c'est un peu. Et donc, je conseille, plutôt que de mettre comme j'ai fait là, des torches, de mettre des cubes de couleur. Parce que les cubes de couleur, à la limite, ils vont être ensevelis. Par contre, les torches, on les verra plus après. Ça s'éteint et on n'y voit plus rien. Donc là, je vais mettre. Bon, je vais mettre juste un petit repère à la con. Hein. C'est pas. Je vais mettre un truc comme ça. Ça me permet de. Au moins, si je me déplace, ça me permet de trouver l'endroit. Et même à la limite. Ouais, non. Non, parce qu'en fait, il y a que de la pierre ici. Si je mets de la pierre, ça va rien me dire, quoi. Par contre, là, du bois, dès que je verrai du bois, je pense que je comprendrai que c'est là. Ça, c'est quoi, ça? C'est de la terre, c'est nul. Bon, bah, ok, allez, je vais placer mon téléporteur ici. Oh, de toute façon, j'aurai l'occasion d'en racheter un, donc. Allez. Voilà, attention. Et voilà. Donc, en direct, comment dépenser 10 000? Voilà, c'est cool. Bon, maintenant, bah, il faut sauvegarder. Alors, je vous déconseille de sauvegarder dans les grottes un peu trop bas, parce qu'en fait, moi, ça a buggé une fois, et donc après, c'était embêtant, très embêtant. Donc voilà, je préfère pas sauvegarder. Ah, c'est pas vrai ça. J'allais dire, c'est pas un succès en tout cas. Mince. Vous voyez là, si ça m'arrive et qu'en fait il y a un séisme, eh ben c'est la misère. Alors déjà c'est la misère pour retrouver là. Ok. Voilà, parce que là c'est la Fnac ici. Hein. Allez, on se dépêche. Voilà, donc je vais pas sauvegarder, je vais me casser d'ici. Quand il veut. Voilà. Donc là, on tombe dans un autre. Là, celui-là, c'est juste celui-là au-dessus. Apparemment. Je crois pas qu'on choisit l'ordre. Hein. C'est pas celui-là que je veux. C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. Si j'arrive pas à aller chez moi, là, ça craint. Voilà. C'est formidable. Franchement. C'est le top, ce truc. Et là, maintenant, je vais bien me mettre sur mes coffres et je sauvegarde. Non, sérieusement, j'avais eu un bug. J'avais un bug en ouvrant la porte ici. Déjà, une fois, j'ai eu un bug en ouvrant la porte. Le jeu, carrément, il m'a fait un code 4. Et ensuite, j'ai eu vraiment un bug en bas. C'est-à-dire que. Et puis, en même temps, j'avais sauvegardé en bas, si vous voulez, et j'étais bloqué. En plus, pour remonter, j'avais plus de pic, plus rien. Donc, en fait, à chaque fois que j'apparaissais en bas, et avec sans les pics, avec sans rien. Donc j'ai dû remonter, mais vraiment j'ai eu de la chance, j'ai pu remonter. Mais si on sauvegarde en bas avec peu de matériel, il suffit qu'on ait un problème, et bien en fait on repartira du bas et pas d'en haut. Donc voilà, moi là ici je suis tranquille. Non, je peux descendre et tout, mais il faut pas partir sans rien quoi. Voilà, et surtout pas sauvegarder en bas avec rien du tout. Voilà, il est 14 minutes 25, on va arrêter. Allez, à bientôt.